Dans toutes les cultures tribales, chaque village avait une sentinelle. Cette sentinelle était choisie en fonction de ses particularités génétiques. Son acuité sensorielle était développée au-delà des facultés humaines connues. Les mois que l'inspecteur James Ellison a passé dans la jungle du Pérou ont un rapport avec ce qu'il vit aujourd'hui. On a découvert des centaines de cas possédant un ou deux sens hyper développés, mais aucun n'a jamais montré comme lui un tel développement des cinq sens. Il est le seul. Il est unique. Salut, salut, c'est Yojimbo et Knives. Bienvenue dans le deuxième tutoriel sur Call of Duty Black Ops. Salut, c'est Knives et aujourd'hui, on a des invités avec nous. Coucou les garçons, c'est la Girls in Game et moi je suis Tsenoubette et je suis avec... Electra. Coucou. Salut les filles. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre quelques-unes de nos techniques secrètes. On est désolé pour ce mois d'absence, on est parti en stage commando pour apprendre des techniques ancestrales au Ouzbékistan. Ah, mais c'est dégueulasse comme pays, ça! Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On enchaîne sur la vidéo. Technique numéro 1. Laissez votre adversaire vider son chargeur. Je me prépare psychologiquement à appliquer une tech absolument fabuleuse. Je le vois, il ne me voit plus. Je laisse vider son chargeur. Et boum, headshot! Waouh, t'es trop fort! Technique numéro 2, accepter la défaite, même si ça n'arrive pas souvent. Je voulais vraiment honorer ce joueur, car il m'a tué. Ça m'arrive vraiment pas souvent. Sur 4 parties, je me rends en moyenne 2 fois, quoi. Donc bon, je l'ai félicité. Je lui envoie un petit message. Hein. Nous profitons de ce passage pour remercier Dirtian et Is New York de leur aide durant la vidéo. R comme Rourmout, O comme Orifice. Félicitations, mot compte triple. Eh merde, j'ai encore gagné un Becherel. Oh, t'as débloqué un G-score. Ça, c'est un G-score que pas mal de monde commence à débloquer sur le live. Bon, en écrivant le message, je suis mort 6 fois, mais franchement, ça valait le coup. Troisième technique, faites-vous passer pour un élément de la faune. Il faut se faufiler tel un tétard au milieu des nénuphars. Comme vous pouvez le voir, le baiser mortel du tétard ne pardonne pas. Adoptez l'amélioration de notre vieille technique, passe la grenade. Tiens, Noubette, attrape. Mais j'en veux pas de ton truc. Oh bah tiens, attrape, copain. Vous pouvez voir que passe la grenade version 2 est beaucoup plus efficace que la première. Wow, unbelievable. Le tir en rafale est moins précis que le tir au coup par coup. Si vous visez, c'est encore mieux. Alors là, truc de fou quoi, on s'est rendu compte que si vous tirez en rafale, vous serez beaucoup moins précis que le tir au coup par coup, pas vrai Knive? Ah ouais, non mais là c'est vraiment hallucinant quoi, c'est... J'en crois pas mes yeux. Et vous avez trouvé ça tout seul? Ouais. Et deuxième grosse révélation, si vous appuyez sur LT de votre manette, vous pouvez viser. Oh, je m'en étais jamais rendu compte. Prends ça, mexicoministe. Eh hey, mais toi aussi t'es ballon mexicain. Un vrai PGM joue avec la sensibilité à 10. Oui, maintenant, comme tous les gros PGM de YouTube, je joue exclusivement avec une sensibilité à 10. Oulala, mais quelle précision, mais quelle précision! On dirait ma grand-mère comme quand elle me passe un verre d'eau. Oh, il a fait gagner sa team! La clique, ouais, la clique, la clique. Wow, 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 wow.
la sensibilité à 10, maintenant je réussis toutes mes killcam finales. Bientôt prêt pour la MLG, eSport, ESL et compagnie. Tout à la fois. Nouvelle technique, jetez vos grenades en toute sécurité. Pour être sûr de tuer l'adversaire avec votre grenade, n'oubliez pas surtout de lancer 2 grenades flash afin de l'immobiliser et d'assurer votre kill. Oh, c'est vraiment rentable ça! Comme à chaque vidéo, je vous propose une technique, mais cette fois-ci, elle est inventée par Electra, le saut de copain. Cela consiste tout simplement de sauter au-dessus de votre partenaire pour distraire l'ennemi. Saute, 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 mon petit copain, et dépêche-toi de tuer quelqu'un. Saute, 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 mon petit copain, et dépêche-toi de tuer quelqu'un. Cette technique demande beaucoup d'apprentissage, mais une fois maîtrisée, vous pourrez faire tout le tour de la map, voire même des full teams. Waouh, c'est unbelievablement awesome. Ouais, je sais, on est plutôt doué, moi et Knives. En plus, Knives, il adore faire cette mouton avec moi. Oh, que c'est bon. On va conclure cette vidéo en vous parlant des Girls in Game. Ce sont 2 commentatrices vraiment super cool et elles sont très ouvertes. Ouais, elles sont vraiment super sympas. Nous vous conseillons vraiment d'aller visiter leur channel. Elles font différentes sortes de gameplay, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et en plus, elles ont des voix super charmantes. Moi, je fantasme grave. Merci beaucoup à vous les filles d'être venues avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de visiter la chaîne de Yuji et Knives. Oui, ils font beaucoup de vidéos. Très sympa, même s'ils n'ont pas encore mué, on les aime bien. Salut tout le monde, bisous bisous. Bisous. Bisous bisous. Eh mais c'est vraiment dégueulasse. Ouais mais tu ne sais pas ça hier soir hein. R comme Roukmout. O comme Orifice. J'ai rigolé comme un con. Tu commences. Salut, salut, c'est Yojimbo et Knives. Bienvenue. Salut. Espèce de boulet, là. Tu commences. Oh non. Saute, 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 mon petit copain. Et dépêche-toi de tuer quelqu'un. Bonne soirée, c'est tout. C'est horrible. De votre manette, vous pouvez viser. Oh, je m'en étais jamais rendu compte. Bien, bien, mexicain communiste. Oh, y'a un problème avec ton micro. Ouais. Ton micro, il a bloqué. Oh, merde, attendez, attendez. Ça va toujours, là. Ah, oh, t'as débloqué un G-Star. G-Score. Merde. Un G-Star. Oh bah, merde. Ah mais c'est à moi. Non, on reprend au niveau de l'écran, on repart. Ah c'était moi. Ouais, on reprend directement sur toi. Wow, unbelievable. Bien joué. Oh là là, heureusement que c'est fini, j'en pouvais plus de ces 2 boulets. En plus, Knive, il est lourd. Et Yoji, il est vraiment un obsédé. On les invitera pas à notre boom. Hey, Knive, c'est pourquoi elles sont venues faire la vidéo? Non, je sais pas, moi. En fait, j'ai kidnappé leur chien, quoi. C'était une sorte de rançon. Oh, mais c'est ça l'odeur du chevreuil dans ton salon? Ouais, il est mort il y a 2 jours, mais faut pas leur dire.